Fin d'année, dit les stars de la glace, nous sommes à Vaujany en Isère, juste au-dessus de Grenoble, et cela commence par un très joli ballet synchronisé sur glace. Ouais, l'équipe de patinage synchronisé qui se prénomme les Zoulous, 18 titres de champion de France, 9 participations au championnat du monde, et qui s'entraîne à Lyon avec Alain Daniel Ostache. Une des règles à respecter en cette discipline, c'est une équipe de 16 patineurs et patineuses. Ça peut être mixte. Alors, mixte, certes, mais on aperçoit quand même qu'il y a davantage de jeunes filles que de garçons, même si c'est en évolution, une évolution que nous saluons. Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître que les garçons sont en minorité. Ouais, j'ai pas été postulé d'ailleurs, mais ça ne saurait tarder. Bah, nous y comptons bien, Philippe. Vous feriez un malheur. Ça va faire comme un chien dans un jeu de quilles, on va dire. C'est une musique assez rythmée hein, pour du patinage synchronisé. C'est pas évident parce qu'il faut rester constamment liés les uns aux autres. Elles sont 12e au dernier championnat du monde et ont une très belle marge de progression. Un petit peu étriqué puisque la piste de Vaujany a été un peu réduite pour l'occasion du gala puisqu'il y a des gens qui sont installés sur une partie de la piste là, qui sont tout proches. Alors pour un patineur individuel c'est pas trop gênant, pour une équipe de synchro ça l'est.